Mes chers amis, bonsoir, bonsoir les gilets jaunes, j'espère que vous êtes gilets jaunes, sinon il va falloir le devenir. Parce que sinon, vous allez rater, rater la révolution, la meilleure des révolutions, j'espère la dernière. Parce que de toute façon, c'est notre dernière chance, je vous l'assure, si on loupe celle-ci, il n'y aura plus euh, aucune autre nouvelle possibilité à l'avenir de changer. Le système. le système va en se perfectionnant, en se rigidifiant, en s'améliorant, en s'améliorant dans le mauvais sens, en améliorant euh, sa surveillance, sa force de frappe, mais aussi euh, sa censure. Et, euh, et comment dire sa manipulation il devient de plus en plus difficile de voir les, les mises au banc les éliminations des personnes qui essayent de de protester nous le voyons avec ce système euh, psychiatrique qui sont en réalité des prisons expéditives sans, sans aucun jugement. Nous voyons à quoi servent aujourd'hui les hôpitaux psychiatriques si ce n'est à écarter des gens par la force, à les abrutir, à les rendre malades, à les soumettre, à leur mettre cette camisole chimique qui, nous le savons, laisse dans le temps des séquelles et des... et des évolutions négatives sur l'esprit et sur la santé sans parler de toutes les répercussions donc désastreuses sur la vie en société à partir du moment où vous êtes écarté pendant un certain temps que vous êtes sali, que vous êtes montré du doigt, et donc euh, quelque part écarté euh, du groupe et désigné, désigné comme étant un problème, un problème à la société. Voilà ce soir mes chers amis, euh, je voulais prendre le temps de, de discuter. Donc c'est la première fois que je fais euh, une soirée spiritualité. C'est comme ça que je l'ai nommé. Donc ce sera des soirées calmes de, de, de discussion. Je, je ne définirai pas un sujet précis, je me laisserai... Euh, je me laisserai partir de manière générale et on verra bien à chaque fois là où ça emmènera. Et puis après, petit à petit, petit à petit, on mettra en place un système. Un système où vous pourrez poser des questions. Là, il est évident qu'il est impossible que je vous lise et qu'en même temps. Je, je développe mes idées et donc par la suite je mettrai en place un système de, de questions par, euh, par sondage. Et donc les questions que vous aurez sélectionnées comme étant les plus pertinentes seront les premières traitées et ainsi de suite et ne craignez pas que votre question soit censurée par la perversion du système entre guillemets euh, démocratique comme nous le voyons aujourd'hui dans cette république c'est-à-dire que je pourrais utiliser donc euh, mes amis ou ou si j'avais le pouvoir d'avoir l'intelligence artificielle mes trolls pour toujours noyer vos questions et mettre en avant les questions que je préfère. donc je, je ferai en sorte que tôt ou tard toutes les questions auront une réponse, mais bien entendu, seront privilégiées, seront mises en avant. les questions qui intéresseront le plus grand nombre. donc, c'est, je voudrais vous dire aussi d'abord que c'est un peu loupé pour ce soir de faire un, un travail un travail comme ça de d'évasion spirituelle pourquoi tout simplement parce que j'ai eu une journée difficile jusqu'à il y a quelques minutes je n'ai pas arrêté que ce soit à l'extérieur ou ici et en plus de toutes ces difficultés euh, faire respecter mes règles dans mon groupe la colère et même ailleurs dans mes groupes messenger et sur mes profils euh, me prend énormément de temps et d'énergie le pire c'est que plusieurs personnes que j'ai choisies comme modérateurs qui sont supposées Faire appliquer et appliquer elle-même mes règles, laisse passer sans cesse des partages que je refuse, c'est-à-dire les partages non vérifiés et de toute façon les informations non vérifiées, et de toute façon mes règles sont listées dans mon groupe, il est très facile d'en prendre connaissance. sans parler de cet acharnement que je n'arrive pas à comprendre, que beaucoup d'entre vous, vous avez à vouloir partager coûte que coûte en masse, en permanence, des publications, des vidéos, des, euh, des avis. Je ne comprends pas. Pourquoi vous ne choisissez pas une publication vérifiée, sûre, intéressante pour nous la faire partager Pourquoi cette obsession au partage sans limite, en permanence, de tout et de n'importe quoi Je vais finir par euh, rester seul modérateur sur le groupe si ça continue. Mais heureusement, heureusement qu'il y a quand même, heureusement qu'il y a quand même des, des modérateurs et des modératrices oh. avec lesquels jusqu'à présent je n'ai été confronté. A aucun souci de compréhension il s'agit tout simplement de compréhension euh, de se prendre en main à un certain moment de quitter ce cet état cet état on va dire enfantin que le système nous oblige à adopter à adopter en permanence ce, cet, cet état enfantin qui est la fuite permanente de la responsabilité et, euh, et faire appel à l'ignorance ou à l'inexpérience pour justifier la réitération des mêmes bêtises. C'est important d'avoir des règles. C'est important aussi de pouvoir comprendre les choses et de pouvoir comprendre les règles et de ensuite s'y tenir sinon rien ne pourrait fonctionner ce monde est construit avec des règles et pas je vous parle pas des règles humaines je vous parle des règles de la création il y a des lois infranchissables en tout cas avec ce corps-là nous ne pouvons dépasser certaines limites Si vous voulez passer au travers de la matière, vous ne pouvez pas. Vous pouvez vous révolter contre cette règle. Vous pouvez essayer de ne pas l'appliquer. Mais ça ne changera rien. C'est une règle. Vous pouvez estimer que celui qui a décidé un jour que la matière était infranchissable est un dictateur, parce que finalement, on a l'impression qu'il n'a demandé l'avis de personne, en tout cas pas le vôtre. Et les exemples sont multiples de la nécessité d'avoir des règles et de les respecter. Maintenant, vous avez certainement vos propres règles, votre propre vision, et dans ce cas-là, je vous invite à les mettre en place dans votre propre création et dans vos propres in initiatives. C'est peut-être le moment que vous franchissiez le pas et que vous fassiez votre propre expérience. Parce que nous sommes ici pour vivre des expériences, une expérience collective déjà, mais surtout une expérience individuelle. Et nous avons un laps de temps extrêmement court pour la réussir. Peu de, peu de personnes arrivent à en comprendre le sens et surtout à les réussir. Beaucoup de personnes en comprennent le sens et ne réussissent jamais parce que c'est difficile, c'est extrêmement difficile, parce que le système fait en sorte qu'on n'y arrive jamais. Parce qu'il est plus facile de pas chercher à réussir des dépassements de soi et de s'occuper à se disperser et à laisser faire. et à euh, se complaire et à se complaire dans le confort de ne rien faire. Alors soyez acteur, soyez créateur. Nous avons tous ça en nous, la création. L'être humain. Vous le verrez au fur et à mesure que je ferai donc ces soirées spiritualité, vous arriverez à la conclusion que tout est parfait, bien que qu'il vous semble que la perfection n'existe pas. Que tout est à corriger mais ce qui cette vie la matrice elle est parfaite et euh, vous le verrez aussi dans plein de religions il est dit que l'homme a été la dernière création du on peu après on peut utiliser plusieurs termes. On va parler euh, en imager. Chacun choisira le terme qui lui convient. On peut parler de Dieu. On peut parler. On peut parler du Créateur. On peut aussi parler de la Source. Il y a beaucoup de tendances qui vont plutôt parler de Source. Et. Euh, donc, euh, la source a fait plusieurs expériences et a fini donc par la conclusion que le meilleur moyen d'avoir la meilleure création c'est de laisser un libre arbitre et d'attendre donc des individus qu'ils fassent par eux- mêmes euh, cette élévation hein. là il s'agit d'élévation spirituelle qu'ils acquièrent par eux-mêmes l'expérience, un peu comme le fonctionnement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire apprendre, apprendre, apprendre. Alors il y a des personnes qui vont apprendre le mauvais, privilégier, préférer le mauvais, et quelques autres personnes qui vont... Apprendre le mauvais et le bien et finir par privilégier le bien. Donc, il est fort probable que suite à cette expérience, il y aura à l'image d'une pyramide ou d'un jeu vidéo ou de plein d'autres système de d'élévation il est fort probable que à l'issue de cette expérience il y ait un niveau suivant un niveau certainement avec beaucoup moins de contraintes, parce que vous voyez bien dans ce monde physique le nombre de contraintes qu'il existe, ne serait-ce que notre corps humain, il est plein de défauts, ou de barrières, ou de contraintes infranchissables. Jusqu'à un certain point, nous pouvons les maîtriser. Et c'est là que intervient notre rôle individuellement envers nous-mêmes d'abord. C'est d'arriver à contrôler. Donc, euh, la partie la plus difficile et de promouvoir de promouvoir aussi euh, parce que ce n'est pas facile non plus d'aller vers le bien alors que en retour il n'y a pas forcément un équilibre. Le monde... Retenez bien le chiffre 2. Tout est constitué de 2. Donc la... Pourquoi cette création, pourquoi cette matrice dans laquelle nous sommes est parfaite Parce qu'elle est tout le temps constituée de 2 du chiffre 2 de la dualité, vous le voyez partout, sans le voir si vous n'y avez jamais réfléchi, mais tout est constitué de deux. Il y a les deux sexes, on dit opposés, pourquoi Parce que cette dualité euh, suppose une opposition, et c'est vrai qu'il y a une opposition. C'est tout à fait vrai. Et vous ne verrez jamais des oppositions supérieures à deux. Vous ne verrez jamais quatre camps, par exemple, ou trois camps, ou dix camps, dix groupes s'opposer. Les groupes finissent, les camps finissent par nouer des alliances, et au final, cela devient deux blocs. De la même manière, quand vous regardez partout, il n'y a pas que les sexes, il y a aussi, on aurait pu se satisfaire du Soleil. À quoi sert la Lune La Lune, au final, elle est là, elle est éteinte. Il y a toutes les spéculations là-dessus, comme quoi ça c'était un. C'était un... une planète. Un soleil éteint. Mais comprenez que là, pareil, nous avons la dualité. L'un le jour l'autre la nuit le noir et le blanc de la même manière nous avons la chaleur et le froid donc tout est constitué de cette de deux et généralement de deux choses opposées ceci pour vous dire que de la même manière il y a le bien et le mal il ne peut exister l'un sans l'autre et la matrice est construite ainsi. Donc à partir du moment où vous arrivez à percevoir ce que je suis en train de vous dire, vous arrivez à la conclusion que le mal est nécessaire. Parce que sinon, la matrice n'existerait pas, l'expérience que nous vivons n'existerait pas, nous n'existerions pas. Donc c'est très important de comprendre ça. Le mal que beaucoup peuvent appeler le diable, Satan, Lucifer, peu importe les dénominations, euh, les deux doivent coexister, sinon notre monde n'existerait pas. Imaginez, imaginez, voilà une, une feuille. Imaginez une feuille. Le blanc, c'est comme on a souvent tendance à, à, à le représenter, c'est le bien et le noir, c'est le mal. Eh bien, si vous présentez une feuille blanche, il n'y a absolument aucune question dessus, il n'y a absolument aucune expérience, aucune équation à résoudre, aucune expérience à réaliser, elle est vide. Et de la même manière que si vous la remplissez avec des questions, des problèmes, jusqu'à la dernière Jusqu'au dernier blanc, elle deviendrait noire. Et à ce moment-là, vous n'y verrez plus rien. Donc les deux doivent coexister. Mais le problème, c'est que si l'un devient majoritaire par rapport à l'autre, il y a un déséquilibre. Alors effectivement, ce déséquilibre devient catastrophique lorsque le noir prend trop de place sur le blanc et bénéfique lorsque le blanc prend plus de place sur le noir. Si on, arrive, si on arrivait à une totalité de blanc, il est évident que l'expérience s'arrête. Et nous ne savons pas ce qu'il y a derrière. Je pense que derrière, c'est une bonne chose. Mais matériellement, c'est impossible parce que nous l'avons en nous. Ce, ce noir, nous l'avons en nous. Donc le but... Ce n'est pas euh, de tout rendre blanc, de fabriquer un monde avec aucun mal, c'est impossible, nous l'avons en nous. Le but, c'est faire en sorte que le, le mal ne prédomine pas. Que nous restions dans une sorte d'équilibre et euh d'équilibre majoritairement vers le bien après c'est à chacun de de faire un travail sur lui-même, individuel, personnel. Alors, je ne sais pas si ça a coupé. Voilà. Et, euh, et je vais m'arrêter là. Parce que comme je vous ai dit, euh, pour faire cet exercice, il faut vraiment être bien reposé. Et je suis très épuisé. Euh, donc je vais m'arrêter là pour ce soir et puis je, on continuera, je continuerai sur d'autres soirées. Euh, donc avant de quitter, j'aimerais j'aimerais vous donner deux trois infos hop et après on va se quitter je vais vous faire bien entendu un rappel pour demain donc euh, alors là c'est le décret dissolution de je vous en ai parlé déjà vous le savez des quatre associations de Zahara france voilà la république française donc les quatre associations c'est centre Zahara france france pardon centre Zahara france et euh, c'est la même entité, hein. et, et c'est déclinaison, la Fédération chiite de France. Donc les, les chiites, c'est plutôt l'Iran. Hein. Vous comprenez bien que les, les tendances iraniennes sont pourchassées, comme les tendances russes. C'est ce que je vous disais à l'instant Les la logique des blocs, la dualité. Nous vivons en permanence dans cette dualité bloc soviétique contre bloc de l'OTAN. Donc, c'est il y a aussi le parti antisioniste, donc par lequel la transité euh, Dieudonné et France Marianne télé. Ensuite, je voulais vous parler de notre ami donc Jean-Louis Kakomo que vous connaissez désormais et tant mieux euh, pour vous dire que euh, tous les jours je vais essayer je vais demander de me donner un signe et si jamais on arrivait à vouloir l'interner de nouveau qu'il m'en informe pour que je vous informe et pour qu'on puisse mettre des actions en place pour aller Demander sa libération et pour chercher après lui. Donc il m'a donné signe pour aujourd'hui et euh, je vous tiendrai au courant tous les jours. Ensuite, euh, donc de Servante, euh, je vous l'ai montré hier. Pour l'instant, on n'a a pas signe de vie son youtube euh, tite servante c'est pas de c'est tite servante donc c'est un suisse pareil qui s'est sacrifié parce que comme je vous ai dit il est plus facile de ne rien faire que de se sacrifier pour vouloir faire le bien nous avons, euh, les amis, nous ne sommes pas juste... Euh, J'aimerais dire un mot avant de finir. Nous ne sommes pas juste une création qui suit euh, aveuglément avec un programme et qui n'a aucun pouvoir euh, de décision sur la création elle-même. Nous, nous, avons, nous avons le pouvoir de créer. Nous avons la matrice change en permanence, le cours de l'histoire change en permanence. Il est écrit d'une manière, mais nous le changeons, nous, au travers de nos actions, de nos choix, de notre libre arbitre, nous le modelons en permanence. Donc nous sommes tous quelque part créateurs, et nous sommes tous aussi, comme je vous l'ai expliqué au début, nous sommes tous... Euh, L'anti-créateur, le diable. Nous sommes tous le mal et nous sommes tous la création. Donc, euh, il est plus facile d'être dans le rôle de ne rien faire ou, pire, de succomber à cette partie du mal que nous avons. En nous, programmé, génétiquement programmé dans toute la matrice, nous avons notre égo. notre ego. Notre ego, c'est c'est une de nos faiblesses infranchissables. Nous pouvons avoir des différences entre individus dans cette capacité à maîtriser l'ego, mais nous ne pouvons totalement supprimer euh, donc cette contrainte. Après, il y a d'autres instincts qui ne sont pas, alors qui sont tous infranchissables, comme je vous l'ai expliqué, mais qu'on peut pas cataloguer euh, dans le dans le mal, mais qui sont des lois de ce corps et qui sont des lois inviolables. Par exemple, l'instinct de survie. L'instinct de survie, vous ne pouvez pas le contrôler. Et donc, je vous parle en vous disant tout ceci. Euh, de manière, il faut que vous soyez de manière consciente. Ça veut dire que si euh, vous êtes endormi, bien entendu qu'il y a certaines, certaines lois qui ne fonctionnent pas. Si vous êtes euh, totalement drogué, c'est pareil. Là, on parle lorsque vous êtes de manière consciente. Donc vous avez aussi euh, un autre instinct infranchissable, une autre loi inviolable, c'est la loi de la peur. Vous pouvez la dominer, cette peur, mais vous ne pouvez pas totalement l'annuler. C'est impossible. Et il y a plein d'autres lois physiques qui ont été créées et que nous devons faire avec. Mais malgré tout, progresser, euh, s'élever spirituellement et, euh, et essayer de corriger les erreurs, corriger les bugs, les bugs qui sont créés par certains, parce que, encore une fois, nous avons en nous cette tendance à créer des bugs. Cette, le, cette tendance à, à faire du mal, même des fois sans l'expliquer. Donc, euh, il y a des personnes, après, vous avez des personnes qui vont plutôt euh, préférer créer des bugs, d'autres qui vont trouver les bugs amusants, qui vont les imiter. Et il y a fort heureusement des personnes qui vont être plutôt dans la création et qui vont euh, réécrire, corriger, mettre à jour, euh, réparer les bugs. Voilà la différence. Et, et dans l'époque que nous vivons, euh, force est de constater que... Il y a très très peu de, de, de créateurs, il y a très très peu de personnes qui, euh, qui s'acharnent à corriger les bugs et il y a une majorité inquiétante de personnes qui, qui suivent le mal, qui, qui préfèrent la corruption. Qui préfère quelque part l'égoïsme le le mal parce qu'il est plus facile que de faire tout un effort donc de d'élévation spirituelle et de euh, correction euh, de ce que les autres peuvent engendrer comme mal et comme bug et donc voilà cette personne fait partie de ses créateurs et vous voyez à quel point euh, il est plus facile euh, d'être plutôt soit spectateur soit encore mieux il est très très confortable de d'être du, du côté de la corruption du côté euh, de la fabrication des bugs du côté euh, de l'exécution du mal. C'est là où vous pouvez vous enrichir, c'est là où vous pouvez euh, avoir du pouvoir, c'est là où vous pouvez acquérir l'impunité. Et si vous faites l'autre choix, qui est, qui, qui est le bon choix, qui est le bon choix parce que vous devenez créateur, si vous faites l'autre choix, il est évident pour moi, il est évident que derrière il y a une deuxième phase, mais que cette phase, encore une fois, elle n'est réservée que à ceux, encore une fois, qui se sont euh, élevés spirituellement dans cette expérience, malgré que, malgré que de, euh, tout indique tout indique autour de nous qu'il ne faut pas euh, s'acharner à faire ce choix de vouloir euh, faire le bien, corriger les bugs, être créateur, parce que nous voyons autour de nous que ceux qui font ce choix-là se font massacrer et ceux qui font le choix inverse euh, ont une vie extrêmement confortable. Donc, voilà, c'était ce mot je voulais dire voilà ce que vous pouvez devenir si jamais vous choisissez le camp du bien et si jamais vous vous décidez d'expliquer aux autres et de dénoncer donc le camp du mal euh, alors là ici c'est ces vidéos je voulais alors, j'ai oublié. Euh, J'aimerais juste citer donc la personne qui me l'a envoyé. Alors, c'est quand même important. Alors, où est-ce que tu es je pensais l'avoir l'avoir rapidement alors je tiens à préciser que mon problème de gorge tiens je vais me mettre à l'écran je tiens à préciser que mon problème de gorge c'est euh, ça fait partie de ce qu'on subit lorsqu'on est en sevrage euh, là pour le coup en sevrage médicamenteux ça provoque ces... cette gorge comme ça, nouée. Ça provoque euh, plein de symptômes désagréables comme des nausées. Mais ça finira. Ça finira par passer. Bon, je ne te trouve pas. Est-ce que tu peux te manifester Donc la personne qui m'a fait connaître. Donc... Euh... The servant petite tit servant. Je vais essayer de remonter un peu. Alors peut-être ce n'est pas. N'était pas ici que tu me l'avais envoyé. Je vais, regard... <coughs> je vais regarder ailleurs. Bon, je, je donnerai ton nom demain. Le temps que je trouve, je ne sais plus où tu me l'avais envoyé. Tu, tu me tu me rends tu, rend, tu tu te manifesteras et euh, bon bah je, je te citerai demain alors regardez donc euh, euh, on va aller sur le profil de The Servant il y a plein de vidéos intéressantes Toujours sur les mêmes thèmes. Et donc, on essaye de personnifier le, le mal, le diable, avec ce fameux Baphomet que vous voyez ici. Voilà comment on essaye de personnifier le diable. Et donc, euh, certains ont fait le choix de ce diable de manière, on va dire, assumée. De manière assumée, ils cherchent même plus à tenter euh, la création et à jouer le jeu euh, de l'expérience de la vie alors là je suis sur euh, mon Twitter d'ailleurs euh... ouais, là, là c'est le live d'ailleurs voilà je voulais épingler parce que là j'ai mis, mis à jour donc je vais épingler ça ensuite euh, qu'est-ce que je voulais c'était pour vous montrer Que, là, que cela peut être assumé par certains de, euh, de s'avouer déjà perdant euh, dans cette expérience qui est la vie. Et là, pour le coup, je l'avais montré, c'était des messages, et ce n'est pas le seul, et ce n'est pas les seuls messages non plus, euh, que je reçois de menaces. Donc là, c'est un c'est un contact qui a qui a remis la capture donc merci camel78 par contre il aurait fallu que tu enlèves rick parce que moi je suis contre le rick et euh, regardez donc euh, la personne mais euh, cette représentation du diable le baphomet en bas alors c'est c'est écrit, hein, je vous lis comme c'est écrit Stéphane Colin et euh, bon bah je vais relire encore une fois c'est pas en restant 7 jours sur 7 le cul planté derrière ton ordi que tu feras avancer les choses tu te contentes de jouer ton petit chef sur les réseaux sociaux, tu ne vas jamais dans les manifestations pour soutenir les gilets jaunes comme tu le préconises aux autres ah, ah ah tu sers à rien sauf à te faire mousser tout seul devant ta caméra, devant ton auditoire, qui en sait plus que toi-même. À part faire des groupes et virer des gens parce que ça te donne de l'importance, tu ne sers strictement à rien dans ce mouvement. Un conseil, évite de publier ou diffuser ce message. Sans quoi tu t'exposes à de gros soucis, sans parler de tes enfants, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, cette personne dit que je ne sers à rien, et moi, donc je lui réponds que, regarde, je ne te réponds pas et je ne te menace pas, donc je sers à la création et je sers à la correction de ce mal que tu as fait, la correction de ce bug. Que tu crées dans la matrice euh, voilà je vous invite tous et toutes à faire de même à devenir plutôt créa créateur correcteur plutôt que de suivre le système qui vous incite en permanence à faire le mal à imiter euh, imiter les, les expansions d'ego des autres à imiter l'effet de, de violence et enfin, je ne vais pas vous faire une liste de tout ce qu'il faut pas faire une liste de tout ce qu'il faut faire. En ce qui concerne demain, mes chers amis, vous savez très bien, il faut que vous soyez créateur. Vous ne pouvez pas rester encore aujourd'hui dans le rôle d'observateur ou pire, euh, jouer un rôle euh, de casseurs d'espoir, de briseur de création en décourageant les autres ou alors en essayant de les empêcher de vouloir créer il est important mes amis à ce que vous deveniez acteur aujourd'hui c'est important vous avez attendu au début vous avez dit comme vous dites toujours d'accord je me mobiliserai lorsque euh, ça prendra je me mobiliserai si les autres se mobilisent et eh bien regardez aujourd'hui on est en mars, ça fait. Un, ça fait 4 mois. Ça fait quatre mois que ça dure, et même 5 mois. 5 mois, les amis. C'est bon, ça a pris. Les autres, ils se sont mobilisés. Alors, il est temps, si vous ne l'avez jamais fait, de créer vous aussi. Sortez demain, laissez fonctionner votre intuition qui est votre intelligence, votre expérience et votre création. Là où vous voyez que le piège de la confrontation est tendu, changez de coin, changez de lieu, éloignez-vous, mais montrez du jaune. Et c'est soyez tout le temps en mouvement pour que l'on ne vous accuse pas de manifestation non déclarée. Et je me, je me pose une question euh, qu'est-ce qui, qu qui vous empêche Qu'est-ce qui nous empêche Qu'est-ce qui vous empêche demain de vivre euh, Je vais dire de faire vivre un samedi normal comme si euh, vous n'alliez pas manifester. Allez, allez vivre normalement allez au, au pardon allez au supermarché allez au supermarché si vous avez prévu de faire les courses allez vous balader faire les magasins si c'est quelque chose que vous avez euh, tendance à faire sur vos samedis allez je ne sais pas rendre visite à de la famille si c'est si ça vous chante, vivez normalement, mais sortez, ne restez pas à la maison. Sortez, vivez normalement, allez vous balader, allez dans des parcs. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire tout ça avec en portant le gilet jaune Ils sont assez larges, ils sont très larges. Ils sont très larges, vous pouvez les mettre par-dessus un grand manteau s'il le faut. Moi même lorsque j'étais sur le terrain avec, euh, vous le, vous le rappelez, avec les gilets jaunes constitu, constituants, j'avais le gilet jaune par-dessus une très euh, volumineuse euh, doudoune. Donc c'est très large, hein. et même au niveau au niveau des bras, au niveau des bras, c'est très très large. Hein. Donc vous pouvez le mettre par dessus votre tenue qu'est ce qui vous empêche de le faire jusqu'à preuve du contraire il n'est pas interdit de s'habiller en gilet jaune d'accord qu'est ce qui vous empêche sur les samedis de sortir massivement il n'y a pas il n'y a pas de couvre-feu pour l'instant qu'est ce qui vous empêche de sortir les samedis? Vivre sans aller chercher aucune confrontation, sans vouloir marcher sur euh, ni l'Elysée ni aucune autre institution. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller euh, prendre un coup, d'aller boire un café, d'aller au restaurant, de vivre normalement, mais avec le gilet jaune par-dessus votre tenue Faites ceci, c'est important les amis. C'est important et c'est communicatif parce que même ceux qui, qui ne le portent pas vont se sentir tellement seuls, tellement, seul, tellement euh, en dehors du groupe qu'eux-mêmes ils auront tendance à aller chercher, à récupérer un gilet jaune et à le mettre pour faire partie du groupe. Donc, faites ceci, n'allez à aucune confrontation, n'allez pas vouloir faire euh, du sensationnel, des vidéos, des photos euh, de provocation, n'allez pas perdre du temps à vouloir euh, convaincre les forces de l'ordre de vous rejoindre ou euh, aller leur expliquer que vous êtes de leur côté. Ils le savent, ils le savent, et puis, et puis ça, c'est un travail personnel. Et puis de toute façon, ils ne peuvent pas vous rejoindre parce que eux mêmes seront euh, sévèrement sanctionnés. Et même, euh, vous savez, la, dé la désertion pour les militaires. Il y a plein d'autres quali qualificatifs pénaux qui existent. Euh, il viendra un temps où euh, le choix sera euh, proposé de rejoindre le peuple ou euh, d'être considéré euh, comme euh, avoir collaboré. Mais pour l'instant, on est très très loin de ce jour-là. On est très loin de ce jour-là. Il faut d'abord nous organiser parce que faire tomber le pouvoir pour... Euh, laisser du vide et ce vide sera, vous le savez, ce vide sera immédiatement occupé par le même mal voire un mal supérieur. On n'en est pas là. Il faut d'abord préparer euh, la solution, la création. Il faut la préparer. Il faut d'abord euh, fédérer et se fédérer. Et ensuite, on appellera tous les corps armés à nous rejoindre. Mais c'est important qu'on euh, arrive au beau jour, et vous avez un rôle nécessaire que de perpétuer ces samedis jeunes. Il est absolument vital, et je vous le rappelle, à mon avis, nous n'aurons pas encore une chance de tenter. De corriger la matrice corriger tout toute cette multiplication de bugs qui ont qui ont été encouragés par par ce système perverti donc euh, il est important il est même il est vital, il est essentiel. Il en va de notre expérience collective, de, 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 de notre de l'existence même, de notre monde, que vous deveniez enfin, enfin créateur et acteur. Donc sortez demain. Ne restez pas à la maison, sortez. Moi, je sors tous les samedis, malgré qu'il y en a qui me dénigrent. Non seulement je donne un travail à la maison, mais en plus je sors. Donc euh, je vais pas forcément euh, aux Champs-Élysées euh, 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 me prendre de la lacrymogène. Non, je vais, je vis, je fais comme je vous ai dit je fais ce que j'ai à faire et je mets mon gilet jaune. et je vous invite à faire de même. vous pouvez faire du vélo en mettant un gilet jaune. qu'est-ce qui vous en empêche? donc, euh, c'est important, les amis, c'est important de vous mobiliser demain. c'est très important. d'ailleurs, euh, j'ai une idée. j'ai une idée pour qu'on pourra mettre en place dans la semaine comme ça on peut monter d'un niveau euh, je vous propose d'ailleurs je vous propose voilà mon idée c'est de choisir une heure fixe un horaire fixe tous les jours dans la semaine euh, pendant lequel pendant lequel euh, on met tous notre gilet jaune la durée d'une minute. Voilà. Par exemple, si euh, on peut dire entre midi et 2 généralement, euh, à 13h, toute la France met un gilet jaune pendant une minute, tous les jours. Et vous verrez, ce sera vraiment formidable. Vous partez avec un gilet jaune plié dans votre sac, la poche de votre manteau et peu importe l'endroit où vous êtes à 13h vous sortez votre gilet jaune vous le dépliez vous le mettez une bonne minute et ensuite vous l'enlevez vous le repliez vous le rangez et c'est communicatif c'est pareil vous serez créateur vous serez créateur et vous arriverez à créer vous créerez autour de vous de, de la de la copie de la de la transmission voilà de la transmission vous transmettrez vous créerez cette transmission vous créerez euh, le, la future création des autres parce que à force euh, plus personne ne voudra rester à 13 heures euh, isolé du groupe si tout le monde sort sans son gilet jaune ceux qui ne l'ont même peut-être pas euh, acheté je parle des personnes qui n'ont pas de voiture et eh bien elles n'auront d'autre choix que de basculer, que de rejoindre la création et d'aller se lâcheter. Il vaut mieux entraîner les autres dans la création que de les entraîner dans les conneries et la création du mal et la fabrication des bugs et la corruption. Donc voilà ce que je vous propose. Euh, j'avais pas défini l'horaire mais là comme ça je, je me dis 13h je vous propose tous les jours à 13h vous tout le monde peu importe là où vous êtes en France vous sortez votre gilet jaune vous le mettez une bonne minute et après vous le rangez voilà ce que je vous propose et ce que je vous demande je vous le demande vivement faites-le moi je réglerai mon réveil pour qu'il sonne tous les jours à 13h et peu importe là où je serai, je vous assure que je n'aurai aucune gêne, aucune honte à m'arrêter, à le sortir, le mettre pendant une minute et ensuite le ranger. Ayez de la création, soyez vaillant, essayez de maîtriser un peu ces euh, contraintes physiques. Qui nous handicapent maîtriser la peur euh, maîtriser l'ego soyez courageux en, il, il y en a besoin plus que jamais aujourd'hui voilà mes chers amis et puis j'ai envie de dire soyez gaulois parce que être gaulois ce n'est pas comme euh, on essaye de nous l'enseigner, ça veut dire Astérix, euh, dans un tout petit euh, village. Non, être gaulois, vous pouvez être éthiopien, et être gaulois parce que vous vous opposez à la tyrannie, parce que vous vous opposez au mal, parce que vous ne cédez pas à la terreur. C'est ça, être gaulois. Et je suis gaulois. Je me définis comme étant gaulois. Et vous aussi, vous pouvez être gaulois. Peu importe votre appartenance, votre couleur, même votre nationalité. Vous pouvez être étranger sur le sol français ou partout ailleurs dans le monde. Et euh, de par euh, votre création, de par euh, votre action, être gaulois. Soyez gaulois. Et je suis gaulois. Voilà les amis. Je vais lire quand même. Euh, je vais lire quelques. Les derniers messages. Et on va se quitter. Euh, L'exercice sera beaucoup plus simple pour moi lorsque je serai reposé. Moins euh, en train de... Souffrir des, du sevrage. J'espère que ça vous a plu, cette première approche, et euh, on continuera. Alors, Sadia, Sarah, tu dis le sapin déjà prêt pour décembre, c'est pas mal, tu dois être quelqu'un de très organisé, dis donc. Euh, le sapin c'est de Noël dernier et euh, c'est un clin d'œil par rapport à mes enfants donc je laisse c'est mon décor euh, je me bats pour mes enfants et vous voyez c'est ma manière c'est ma manière d'être créateur de corriger des bugs de ne pas basculer dans la création d'un gros bug que d'avoir subi tout ce que j'ai subi et de ne jamais avoir commis le moindre acte euh, violent ou de vengeance ou, ou que sais-je, de, de délinquance, de criminalité, malgré que je, je souffre et que je suis depuis des années privé de mes enfants. C'est ça, s'élever spirituellement, c'est ça. C'est arriver à dominer euh, plein d'instincts et plein de mal qui en nous. Que le système essaie par tous les moyens de le déclencher et euh, offrir en retour offrir euh, des, des corrections des réécritures des, des améliorations de matrice voilà les amis bonsoir tony light et bonne nuit Aïe Là, je n'ai pas vérifié l'information que tu me donnes, mais ça me révolte. Tu m'as écrit « Farida Belghoul a été révoquée ». C'est absolument honteux. Mais c'est Farida Belghoul, donc c'est... Elle a perdu son emploi, mais encore une fois, elle a, elle a gagné euh, sa spiritualité. Son élévation de sa de la, de sa spiritualité, Farida Belghoul, comme vous, lorsque vous deviendrez acteur, vous pouvez considérer que vous êtes en passe de réussir l'expérience, cette expérience de la vie. Pensez plutôt comme ça. Euh Marilyn j'ai l'impression que tu es un troll donc je te bloque. Euh, tiens ça y machin, il est carrément perché lui. Ça me fait sourire, c'est déjà... Allons corriger la matrice. Je te bloque aussi. Max max. Tu m'as pas as pas entendu euh, ma réponse pour l'arbre de Noël et de toute façon, c'est hors propos. Donc tout ça, c'est du trolling parce que vous êtes hors propos. Vous écoutez même pas ce que je dis. D'ailleurs, mon ami Marie-Ange euh, lui a répondu, lui a dit :« Si cela ne te convient pas, personne ne te retient. » Et Tony Light aussi, il a perdu ses enfants et son logement. Vous ne connaissez pas son histoire. Les amis, là, il s'agit pour la plupart de de robots, d'intelligence artificielle, il n'y a qu'à voir la syntaxe et l'orthographe pour vous en rendre compte. Donc ne vous épuisez pas. D'ailleurs, moi, ce que je vous propose à l'avenir, ce qu'on peut faire, c'est que vous mettez bonjour et puis c'est tout, jusqu'à ce que je mette en place ce système où vous posez des questions et que j'y réponde. On peut faire cette expérience. C'est que vous arrivez sur mon live, juste vous dites bon, enfin vous me saluez si vous avez envie, bien entendu, vous me saluez et, et stop. Comme ça, se... après c'est calme au niveau des commentaires. D'ailleurs, j'ai ai bien aimé tout à l'heure lorsque je m'exprimais, parce que comme j'ai dans mon champ de vision le téléphone, je n'ai pas vu comme d'habitude défiler. Et, et c'est vrai que ça. C'est vrai que ça déconcentre. Donc euh, voilà, essayez de dire euh, bonjour, tiens Florian. Est-ce que je suis perché En tout cas, toi, tu es bloqué. Euh, voilà. Du coup, il n'y aura que les trolls qui vont parler entre eux. Et moi, je pourrais très facilement les identifier comme étant trolls. Je les bloquerai à la chaîne. Charles Duparc, tu dis Ah, le pédophile. Alors, toi, j'espère que tu es vraiment un robot. Hein, parce que sinon, qu'est-ce que tu as d'humain Merci Ginette de me signaler les trolls. Et bonne nuit Ginette. Bonne nuit Joachim. Euh... Bonne nuit Poupette. Bonne nuit Keol. Bonne nuit Tony. Merci pour ton soutien face aux trolls. Bonne nuit Gérard. Oui, très belle âme Farida. Bonne nuit Christy. Oui, j'en ai, ai bloqué quelques-uns, Christy. Mais je ne peux pas être partout. Mais bientôt, bientôt, allez rejoindre mon groupe, la vraie colère. Christy, si tu l'as pas encore fait. J'attends que le groupe, mon groupe, la vraie colère soit rempli, bien rempli pour diffuser mon live depuis. Et à ce moment-là... Mes modérateurs auront la main pour bloquer et là ce sera génial parce que je pourrai me consacrer euh, complètement à, à, à vous proposer les décryptages et à euh, argumenter, développer mes idées. Garcia, bonne nuit. Gérard, si je ne l'ai pas déjà dit, bonne nuit. Allez mes chers amis, euh, je vous souhaite bonne nuit à tout le monde même si vous n'avez pas écrit de commentaires, même si vous êtes déjà parti vous coucher. Et on se retrouve, donc là on est déjà à 1h du matin, on se retrouve ce soir, donc pour, comme tous les jours, un live avec vous. Et bien entendu, euh, on parlera un petit peu de la journée de samedi. D'ailleurs, tiens, très important, très important, euh, je vais vous faire une prédiction. Je vous... Là je, je ne suis pas médium, je n'ai jamais prétendu. Je fais juste appel à ma à mon expérience avec ce que j'ai vu euh, du système avec ce que euh, j'ai enregistré, j'ai mémorisé de de la façon de procéder de ce, de ce système, mis en place donc bien entendu par des personnes qui ne souhaitent pas la création mais euh, la perversion, et eh bien euh, d'après tout ceci, d'après mon intuition, d'après mon analyse, il est fort probable pour moi que nous sommes à la veille d'un attentat et euh, je ne pense pas que ce sera le samedi je pense que le samedi euh, sera une journée euh, qui dé déterminera, déterminera pour eux si euh, il y aura besoin d'un attentat dimanche ou pas je pense qu'ils vont tâter le pouls samedi avec toute la terreur intellectuelle et médiatique qu'ils ont mis en place à, à vous faire peur avec les blindés les militaires etc et les appels des contre-révolutionnaires comme je vous ai montré hier sarah jeanne et d'autres à surtout ne pas sortir vous barricader et bien pour moi il est fort probable que ils vont qu'ils observent qu'ils observent le déroulé qu'ils observent le déroulé de ce samedi et si jamais et il faut qu'il y ait une forte mobilisation si jamais ils voient que la mobilisation ne faiblit pas malgré leurs menaces leurs menaces publiques contre notre intégrité s'ils constatent que ça ne change rien pour nous pour votre serviteur, il est fort probable qu'il y aura, qu'ils mettront, qu'ils actionneront euh, un de leurs habituels attentats pour la euh, donc pour dimanche. Et bon, bah, par extension, parce que je vous le rappelle que l'intelligence artificielle s'adapte en temps réel aux événements. Donc, euh, demain, jusqu'au dernier moment, il ne sera pas décidé de faire ou pas l'attentat de dimanche. L'intelligence artificielle s'adapte, elle prend le pouls en permanence euh, sur le terrain, ici, sur les réseaux sociaux, chez vous, partout, dans les recherches que vous faites, lorsque vous. partout. Donc,. Euh, pourquoi je vous dis ça parce que maintenant que je l'ai dit il se peut que ça n'arrive pas il se peut que ça arrive mais en tout cas je ne le vois pas je ne vois rien se produire du type attentat du type spectaculaire le samedi le samedi ils vont plutôt euh, regarder regarder euh, l'effet que leur euh, terreur donc médiatique leurs menaces contre nous ils vont euh, ils vont observer si ça a fonctionné ou pas en revanche après c'est ce que je vous prédis après si jamais c'est une réussite pour nous il y aura ils vont actionner le levier des attentats et donc il est fort probable pour moi que l'attentat sera dimanche et par extension, comme j'ai dit tout à l'heure, vu qu'il s'adapte encore une fois à ce que nous nous disons, ne, décide, si ce pas le dimanche, ce sera dans les jours suivants. en tout cas, je pense, il est fort probable qu'il n'attendra pas samedi prochain, samedi 21, l'acte 21, pour, euh, pour donc actionner le levier des attentats. Il est fort probable que nous vivrons une semaine qui vaudra surveiller euh, où euh, il y aura un attentat. Et j'espère, en disant ça, de les décourager, de les faire reculer et d'avoir et de sauver, du coup, euh, sauver des vies humaines euh, grâce à mon discours et qu'ils renoncent donc à, à leur plan euh, de commandité. Un attentat mais voilà euh, dimanche si jamais samedi c'est une réussite pas bah du coup <laughs> voilà dimanche euh, c'est là où il faudra euh, vous protéger euh, voilà tout ça façon il n'y a pas grand chose à faire hein. ils, ils feront euh, ce qu'ils voudront faire et nous essaierons nous euh, lorsque un jour le pouvoir reviendra au peuple, que la France sera libre, laïque et euh, aux valeurs catholiques, à ce moment-là, euh, ils rendront des comptes devant nous, devant le peuple. Voilà mes amis. Allez. Claudia, bonne nuit. Franck, bonne nuit. Vive le peuple, bonne nuit. Frédéric, euh, bonne nuit. Allez, les amis, à ce soir.